Dieu ne nous demande pas de juger si quelqu'un mérite ou non notre aide. Il nous demande simplement d'aider. Restez avec nous dans «Jouissez de votre vie». L'égoïsme est la clé du malheur. Pouvez-vous dire cela avec moi Dites l'égoïsme est la clé du malheur. Le titre de mon message aujourd'hui est ⁇ Apprendre à vivre pour les autres ⁇ Hier, nous nous en étions arrêtés à Job. Nous parlions de comment aider les personnes blessées. Parce que, pour ne pas être égoïste, nous devons... Marcher dans l'amour exprès. J'insiste sur exprès parce que ce sont des choses que l'on doit faire exprès. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir envie de servir, de bénir et de donner. Parce que ce dont nous aurons envie tous les jours, c'est de quelqu'un qui fera quelque chose pour nous. Je pense que tout ce que je peux faire, c'est vous demander de me croire que non seulement j'ai étudié la parole de Dieu durant de nombreuses années, mais que j'ai également essayé de marcher avec Dieu. Et maintenant, je sais parfaitement ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'ai appris ces choses après de douloureuses expériences et je peux vous épargner des souffrances. Si seulement vous m'écoutiez, la Bible dit que les jeunes croyants doivent écouter leurs aînés. <laughs> Amen. J'étais très égoïste et égocentrique et j'aurais toujours une... Tendance à l'être si je ne me battais pas contre ça tous les jours de ma vie. Nous avons à combattre le bon combat de la foi et nous devons combattre notre nature égoïste et égocentrique. La Bible nous dit que nous vivons dans des temps où les gens sont extrêmement égoïstes et égocentriques, totalement absorbés par eux-mêmes. Dans les derniers jours, cette situation ira de pire en pire en pire en pire en pire. Il est dit... Des temps difficiles, des temps difficiles à supporter. Je réalise que je suis en fait vraiment éploré de la manière dont tant de chrétiens agissent et notamment du manque de reconnaissance. Il semble que peu importe ce que vous faites pour les gens, il y a cet esprit avide qui veut toujours encore et encore et encore. Rien de ça n'est en accord avec la parole. Ce que nous avons à faire, c'est de chercher des gens dans le besoin. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit pour entendre ce qu'il nous dit de faire pour les autres et il y a tant de choses que nous pouvons faire pour les autres. De petites choses, de grandes choses, mais souvent ce sont les petites choses qui sont les plus signifiantes pour les gens. Chacun de vous ici a une onction de Dieu pour faire de petites choses. Jésus lui-même a fait de petites choses que souvent dans. Notre vie, nous pourrions trouver insignifiant temps et si bien que nous les négligeons. Et pourtant, Jésus a fait ces choses à titre d'exemple. Nous allons en voir certaines aujourd'hui. Job a dit quelque chose d'absolument incroyable. J'ai conclu avec cela la nuit dernière, mais j'aimerais commencer avec cela aujourd'hui. Job 31, verset 16. Ai-je refusé aux indigents ce qu'ils désiraient Ai-je fait languir les yeux de la veuve Verset 17. Ai-je mangé seul mon morceau de pain sans que l'orphelin puisse en manger Non, dès ma jeunesse, l'orphelin a grandi avec moi comme avec un père. Et dès le ventre de ma mère, j'ai guidé la veuve. Bon, Dieu semble donc avoir une place spéciale dans son cœur pour les enfants sans parents et pour les femmes. Sans mari, à moins bien sûr qu'elle n'ait été appelée et qu'elle n'ait été ointe par Dieu pour une vie de célibat. Et il se trouve de telles personnes. La Bible nous en parle. Une femme ayant été mariée et qui a perdu son mari et une femme veuve. Mais aussi, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes divorcées. C'est également un type de veuvage. Nous pouvons adopter l'attitude froide qui consiste à dire si tu avais demandé à Dieu, tu n'aurais pas épousé la mauvaise personne et tu ne serais pas dans cette situation. Si vous étiez là hier, alors vous savez déjà que vous ne devez pas avoir cette sorte d'attitude sans cœur. Vous devez être miséricordieux parce que vous êtes déjà passé par là. Mais par la grâce de Dieu, j'en suis arrivé ici. Amen. Dieu ne nous demande pas de juger si quelqu'un mérite ou non notre aide. Il nous demande simplement d'aider. Je vais le redire. Dieu ne nous demande pas de juger si oui ou non quelqu'un mérite notre aide. Il nous demande seulement d'apporter de l'aide. Dieu ne nous a pas appelés à juger les gens, mais à les aider. Il aide sans arrêt des personnes qui ne le méritent pas et j'en fais partie. Si nous devions obtenir ce que nous méritions, nous serions déjà morts depuis longtemps. Verset 19. Ai-je vu le vagabond manquer de vêtements le pauvre n'avoir point de couverture Parlons de vêtements. Tout ce que nous avons à faire est de regarder là où nous travaillons, qui n'a apparemment que trois ou quatre tenues, qui porte systématiquement encore et toujours la même chose, ou bien quelles sont les personnes dont les habits n'ont pas été à la mode depuis un long, long moment. Gardez les yeux ouverts et soyez prêts à rencontrer des besoins. Comme ça serait beau pour quelqu'un de recevoir de votre part un bon d'achat et d'entendre ⁇ Je veux t'offrir un nouvel ensemble ⁇ Ou bien exercer votre foi et arriver au point de dire à quelqu'un ⁇ J'aimerais t'offrir une nouvelle garde-robe ⁇ Nous devons penser plus grand, et pas seulement quand il s'agit de ce que nous pourrions obtenir, mais penser plus grand quand il s'agit de ce qu'on peut donner. Allez maintenant j'ai commencé à croire Dieu il y a trois ans que je serais capable de donner des maisons, des voitures, envoyer des personnes en vacances, des personnes qui n'avaient jusque-là jamais pu se le permettre, acheter à des gens une maison entièrement meublée, ou bien une garde-robe tout entière. Ne le croyez pas seulement pour vous-même. Croyez pouvoir être capable de faire de plus grandes choses pour les autres. Si vous faites cela, évidemment que vous allez être béni, car pour être en mesure de faire cela, vous devez avoir plus. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 que nous prions pour des choses que nous n'obtenons pas, car nous les demandons avec des motifs mauvais et égoïstes. Obtenir quelque chose pour en fait être le seul à en profiter. Donc, une fois encore, si nous demandons à Dieu de nous bénir afin d'être une plus grande bénédiction, spécialement Seigneur, bénis-moi, fais quelque chose dans mes finances, interviens au point que je puisse acheter une voiture à quelqu'un intervient au point que, si besoin est, je puisse louer un appartement à quelqu'un qui n'en a pas et payer le loyer de toute une année jusqu'à ce qu'il puisse s'en sortir. Aide-moi, Seigneur, à être capable d'acheter de beaux meubles à quelqu'un qui n'en a pas. À être capable de les emmener dans une galerie et de leur dire, prenez ce budget, choisissez ce que vous voulez. Oh, comme c'est merveilleux d'être en mesure de pouvoir bénir les autres. Je veux dire que votre cœur commence à chanter de joie. Ne restez pas là à penser, oui, ce serait bien si j'avais l'argent pour faire ça. C'est de cette attitude gênante et stupide dont on a besoin de se débarrasser. On commence comme on peut. Mais si vous commencez avec ce que vous avez, Dieu vous rendra plus capable. Mais voilà ce qui arrive à tellement de gens. Ils commencent à semer, ils améliorent leur situation et ensuite ils ne sèment pas davantage. Chaque fois que notre situation s'améliore, il faut augmenter la semence. Et je vais me permettre de dire quelque chose de fort. Ne vous contentez pas de donner seulement la dîme. Il y avait une dîme sous la loi. Que devrions-nous pouvoir faire sous la grâce <laughs> Ne dites pas, bon, certains d'entre vous n'ont même pas commencé à donner leur dîme. Et je le sais très bien. Et en ce moment, vous n'appréciez pas le fait que j'en parle. Mais je ne prêche pas pour vous plaire, je prêche pour plaire à Dieu. Alléluia. Je vous dis cela conformément à la parole de Dieu. Si vous ne donnez pas votre dîme, si vous n'êtes pas quelqu'un qui donne, vous vivrez sous une malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis. Cela est dit dans le livre de Malachie et ailleurs. Vous n'allez pas être heureux si vous n'êtes pas un donateur. Et vous devez être quelqu'un qui donne, avec une bonne attitude. Il se peut que votre chère pleure un peu. Vous pouvez être en train de faire une chose juste, mais votre chère va continuer à se plaindre. J'avais un bracelet que j'aimais beaucoup, et Dieu m'a dit une fois de le donner à une des filles de l'équipe de louanges. Elle n'est plus avec nous maintenant. Je vous dis toute la vérité. Chaque fois que je voyais cette fille porter ce bracelet, ma chère voulait pleurer. Je peux le sentir, c'était un peu... Oh. <laughs> Cela s'appelle mourir à soi. Écoutez-moi, on ne meurt pas sans avoir mal. Il n'y a pas de croix capitonnée. En fait, on ne peut pas avoir la croix sans avoir mal. La croix que Dieu veut que nous portions ne consiste pas en des désastres des maladies dévastatrices et tout ça. Il veut que nous vivions une vie désintéressée. Donc il a des choses... J'aimerais que nous parlions aujourd'hui des choses créatives que nous pouvons faire pour les autres. Nous avons cinq semi-remords qui transportent notre matériel d'une conférence à l'autre avec des chauffeurs, dans chacune d'elles. Et donc ils s'arrêtent et mangent ensemble souvent. Et l'un d'eux m'a dit la nuit dernière que... Plusieurs fois, et je pense qu'il m'a dit que presque chaque fois qu'ils s'arrêtaient, il y a cet accord entre eux de se cotiser et tous y mettre un peu d'argent pour pouvoir payer l'addition de quelqu'un qui se trouve dans le restaurant. Alors ils entrent et se disent ⁇ D'accord maintenant, qui sera notre cible ?⁇ Et ils commencent à prier jusqu'à ce que l'un d'eux suggère ⁇ Que pensez-vous de ce couple de retraités là-bas ⁇ Ou de cet homme-là, cet homme qui semble si découragé, ou bien de ce jeune couple Là-bas, avec ses quatre enfants, on est d'accord, c'est le bon. Ensuite, il se procure l'addition auprès d'une serveuse et puis, secrètement, la paye. Et c'est beaucoup de plaisir d'observer la réaction des gens. Dave et moi, nous faisons toujours cela. Nous écrivons... Simplement un mot sur un bout de papier ou souvent envoyons un petit message. La plupart du temps, nous écrivons juste ⁇ Dieu vous aime ⁇ Vous êtes spécial, Dieu vous aime. Vous ne savez pas combien ces choses vont toucher le cœur des gens. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, vous devez être plus audacieux si vous voulez devenir un donateur radical. Que se passera-t-il quand Dieu vous demandera de faire des choses pour des étrangers Parfois cela ne nous dérange pas si nous savons que nous serons appréciés. Bonjour Quand sera-t-il lorsque vous commencerez à faire des choses dans le secret, lorsque vous commencerez à faire des choses pour des gens que vous ne connaissez même pas Waouh Cela rend le diable fou. Certains ici ont leurs propres idées à cet égard. Dieu vous a certainement guidé à faire des choses qui sont merveilleuses. Je n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit avec mes histoires. Je m'efforce de donner des idées à ceux qui ne s'étaient jamais aventurés dans ce domaine. D'accord Parfois, on passe à côté. Parfois, Dieu met des choses dans mon cœur et je me dis, oh, ça ne peut pas venir de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. J'ai compris la leçon et je ne veux pas avoir ce poids sur la conscience. Je veux simplement faire ce que Dieu me demande de faire et être une bénédiction. Amen Parce que je crois que cela affecte l'onction sur nos vies et je sais pour sûr que cela affecte notre niveau de joie. On peut s'accrocher à une chose que Dieu nous demande de donner, mais cette chose ne pourra pas nous procurer la joie, à moins que Dieu ne l'éloigne pour nous apporter cette joie. Ecclésiaste dit, c'est Dieu qui non seulement nous bénit, mais nous donne la possibilité de jouir de nos bénédictions. Vous voyez, il y a des gens riches qui ont des choses et qui sont atrocement misérables parce qu'il n'y a pas d'onction sur leur vie pour jouir de ce qu'ils ont. Revenons à Job. 31, 20. Sans que ses reins m'aient béni, pour l'avoir vêtu, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, ai-je levé la main contre l'orphelin parce que je me voyais soutenu par les juges et me savais Soutenu à la porte, maintenant lisez bien le verset 22. Que mon bras se détache de mon épaule et mon avant-bras du coude et qu'il se brise. Qu'est-il en train de dire On ne peut pas passer à côté de ça. Il nous dit, si je n'ai pas utilisé ce bras pour aider les gens, si je n'ai pas utilisé ce bras pour être une bénédiction, alors que quelqu'un l'arrache. L'arrache de mon épaule et le détache de mon corps, parce qu'il n'est pas nécessaire qu'il fasse partie de mon corps si je ne m'en sers pas pour être une bénédiction. C'est une des choses les plus merveilleuses que j'ai vues. Prenez Esaïe chapitre 1. J'aime vraiment quand Dieu me conduit à enseigner à propos de ces versets parce que cela m'aide beaucoup. Cela me remue toujours. Et comme c'est horrible de rester assis dans un coin égoïste. Ésaïe chapitre 1, versets 16 et 17. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Le mot rechercher signifie désirer ardemment quelque chose, poursuivre, suivre de toutes ses forces. C'est un mot très fort dans la Bible. Recherchez la justice. Cela ne parle pas simplement d'une justice pour vous, cela parle de la justice pour ceux qui sont oppressés. En d'autres mots, quand vous voyez des gens qui ne sont pas traités avec justice, recherchez et trouvez un moyen de les aider à rétablir la justice dans leur vie. Soulagez les opprimés. Corrigez l'oppresseur. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Verset 19. Si vous le voulez et vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Verset 23. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les préoccupe pas. Les chefs sont les leaders et les leaders doivent montrer l'exemple dans ce domaine. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez des enfants et que vos enfants vous voient vivre ainsi, vos enfants grandiront et ils seront des donateurs. Ils ne seront pas égoïstes et égocentriques. Vous leur accorderiez la plus grande faveur qu'il vous serait possible de leur accorder. Je parle d'autre chose que du simple fait de mettre de l'argent à part pour donner à l'Église lors de l'offrande. En fait, je parle de faire du fait de donner un style de vie. Je pense que notre conception actuelle... De ce qu'est un chrétien est tellement erroné, et nous avons d'ailleurs assez compliqué la chose. Mais je vous dis que cela est supposé être un style de vie, c'est simplement votre manière de vivre. Vous ne restez pas assis toute la journée à vous contenter de faire quelques activités religieuses, mais vous êtes impliqué avec des gens, vous êtes impliqué dans la vie, et partout où vous allez, vous êtes à l'affût d'un besoin, vous êtes une bénédiction. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aime m'imaginer comme étant un entrepôt du Saint-Esprit, et à chaque fois que quelqu'un s'approcherait de moi, il serait béni. Vous vivez votre vie de tous les jours ainsi, vous donnez un compliment par-ci, vous donnez un encouragement par-là, vous répondez à un besoin ici, vous donnez un sourire là-bas, vous répondez à un autre besoin ailleurs. C'est un style de vie. Ce n'est pas quelque chose avec un pourcentage à atteindre. Ce n'est pas du genre, j'ai donné ma dîme l'autre fois, c'est tout ce qu'il m'est demandé de faire. Nous ne parlons pas de ce que nous sommes tenus de faire. Quand nous faisons ce que nous sommes tenus de faire, nous sommes sous la loi. Et la loi produit la mort en nous. Deux Corinthiens dit que la loi est gravée sur des pierres, qu'elle produit des cœurs durs et elle produit la mort. Mais celui qui est conduit par l'esprit expérimente la vie. Les leaders doivent montrer l'exemple. Les prédicateurs doivent prêcher cela. Les prédicateurs doivent l'enseigner. Les parents doivent permettre à leurs enfants de voir cela en eux. Alléluia. Dave et moi avons vécu ainsi et chacun de nos enfants est comme ça. Chacun d'eux. Chacun de nos enfants est comme ça. Nous avons donné une somme d'argent à chacun de nos enfants. Et notre aîné David a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, c'est vraiment drôle et opportun que vous nous donniez cela. J'étais dans une situation délicate ce mois-là. Non pas que je n'ai rien, mais j'en étais arrivé à ne pas avoir autant d'argent que j'en aurais voulu. Et quand j'ai regardé au problème, c'était que j'en avais donné trop. Amen Il a dit, le Seigneur nous le rend toujours. Nous avons entendu parler de Sodome et Gomorrhe et du péché de Sodome. Tout le monde sait à propos de Sodome. Sodome a été détruite parce que c'était une cité mauvaise, mauvaise, mauvaise. Si vous demandez aux gens quel était le péché de Sodome, la plupart vous dira la perversion sexuelle. C'était une des choses dans lesquelles ils étaient rentrés, mais ceci n'était pas la racine de leur problème. C'était le fruit de leur problème. <laughs> Nous avons de mauvais fruits dans nos vies qui proviennent d'une racine d'égoïsme. Saviez-vous cela Savez-vous que certains ont un fruit de dépression, mais que la racine de leur problème est l'égoïsme Certaines personnes ont un fruit de solitude. Dans leur vie, ils ne peuvent pas maintenir une relation décente, mais la racine de leur problème est l'égoïsme. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations si vous êtes égoïste, car personne ne désire être en relation avec quelqu'un pour qui tout ne vient que d'un côté. Que tout le monde dise, il n'y a pas que moi. J'aimerais que nous prenions Ézéchiel chapitre 16. Nous allons réellement voir en quoi consistait le péché de Sodome. Ézéchiel 16 verset 49. J'aime entendre le son des pages de la Bible. Il y a tellement de passages. Quand j'ai préparé ce message il y a quelques mois, J'étais vraiment stupéfaite de lire ce passage de Job <laughs> qui dit « Si mon bras ne bénit pas, il ne met alors d'aucune utilité ». Et ce passage m'a laissé perplexe. Voici, verset 49, « Quelle a été la faute de Sodome, ta sœur ?» Il se prépare à nous dire « Quel était le vrai problème de Sodome ?» L'orgueil, la voracité et la surabondance, une insouciante tranquillité, telles furent ses fautes et celles de ses filles, elles n'ont pas fortifié la main du malheureux et du pauvre. <laughs> Quel était le péché réel de Sodome L'idolâtrie, l'adultère, l'indifférence à l'égard du pauvre, avoir trop et ne partager avec personne. Puis-je vous dire quelque chose Une part de la raison qui explique pourquoi nous avons tant de problèmes et que nous sommes dans une telle abondance. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose d'autre. J'aimerais que vous m'écoutiez jusqu'au bout, avant de me jeter des pierres. Mmh. Laissez-moi vous amener la chose ainsi. J'enseigne, je prêche et crois dans la prospérité. Mais je crois que dans l'Église, une des choses principales qui a rendu l'Église si égoïste, c'est l'abondance des enseignements sur la prospérité et le succès et leur insuffisance sur... Ce que nous sommes supposés faire avec quand nous la possédons. En disant cela, je ne pointe du doigt personne. Il y a une multitude de prédicateurs prêchant la prospérité. Et c'est ce que j'enseigne également.

Dans un article de journal, le monsieur qui m'interviewait disait... Qu'est-ce que vous dites de la doctrine de prospérité Vous êtes jugé et critiqué étant une prédicatrice de la parole et de la foi. J'ai dit, je ne crois pas en la pauvreté. Eh bien, apprendre à vivre pour les autres est un véritable défi. Parce que pour être honnête, nous voulons habituellement que les autres vivent pour nous. La Bible nous enseigne que Jésus lui-même disait que les plus grands étaient ceux qui se rendaient serviteurs de tous. Nous pensons aux serviteurs et nous pensons réellement au service avec de mauvaises connotations. Mais Jésus ne le voyait pas sous cet angle. Il attend de nous que nous soyons complètement et totalement délivrés de l'égoïsme et de la centration sur soi. Et c'est dans ce sens que j'ai donné cette série d'enseignements intitulée J'étais toujours sur mon esprit Je crois qu'elles seront une bénédiction et un profit pour vos vies parce que je crois que plus nous serons délivrés de l'égoïsme, plus nous serons heureux. Plus nous serons en paix et mieux nous nous sentirons à l'égard de nous-mêmes, et alors Dieu pourra nous utiliser afin d'être une réelle bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Eh bien, la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Dans Jean 10-10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance jusqu'à débordement. » Je vous encourage aujourd'hui à jouir de votre famille, jouir de vos enfants, jouir de votre époux, jouir de vos amis, jouir de vous-même, mais prenez la décision de jouir de votre vie. Ne désirez pas toujours la vie d'un autre, mais prenez la décision de jouir de votre vie. Jésus est mort afin que nous puissions faire cela. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quand, Seigneur, quand Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre, ou bien visitez notre site web slash fr